Chaque nuit, c'est la même chose, tel un rituel. Ça se reproduit chaque nuit dans mes rêves depuis une semaine, et j'ai l'impression que le dénouement, c'est ce soir. Laissez-moi vous éclairer. Je m'appelle Quentin et j'ai actuellement 15 ans. Je vis dans une petite ville sympathique de Haute-Savoie, et dans ma vie, malgré quelques épreuves, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Et tout se porte à merveille. Enfin, depuis peu, je devrais dire se porter, car j'ai l'impression que quelque chose hante mes rêves. La première fois, j'ai simplement rêvé d'un couloir. Enfin, ça s'y apparentait en tout point. J'ai cru discerner une forme au bout, mais j'ai ensuite compris que ce n'était rien. Simplement un couloir. À mon réveil, je me suis demandé, perplexe, pourquoi j'avais rêvé d'un couloir. C'est totalement con comme rêve, avouons-le. La deuxième nuit m'a déjà plus inquiété. J'ai revu le même couloir, exactement le même. Ne l'ayant vu qu'une fois en rêve, je l'ai reconnu immédiatement comme si je l'avais vu toute une vie. Sauf que quelque chose avait changé. Si la première fois, il m'avait semblé voir quelque chose, cette fois, je l'ai clairement vu. Une forme qui m'avait l'air d'être humaine à première vue. Mais située au bout du couloir, elle était entièrement noire. Je n'ai rien pu en tirer de plus. La troisième nuit, j'ai revu cette forme. Elle m'avait l'air un peu plus claire. J'ai pu voir qu'elle avait de longs cheveux, noirs à première vue. Il m'a semblé qu'elle s'était rapprochée, mais je n'en étais pas sûr. Au réveil, j'ai repensé à ce couloir. Il m'a semblé si familier. Quelque chose clochait, j'en étais convaincu. La quatrième nuit, encore et toujours ce cauchemar. Aucun changement vis-à-vis de la forme, sauf peut-être que je la voyais plus clairement. Elle semblait porter une longue robe noire, style années 20. Ses cheveux étaient noirs, j'ai pu le constater en voyant qu'il tombait sur sa poitrine. Je n'avais pas encore vu son visage, malgré le fait que cette fois, elle s'était rapprochée. La nuit dernière, j'avais pris un repère vis-à-vis du mur, et j'ai constaté avec effroi que ces dernières nuits, elle ne faisait que se rapprocher de moi. Encore une ou deux nuits, et elle serait arrivée. La cinquième nuit, elle était devant mon lit. Je peux voir ses yeux. Ils sont rivés sur moi. Vides et inexpressifs, terrifiants même. Ses lèvres sont noires. Elles ont l'air d'être déchiquetées. Quelques morceaux de peau pendent par-ci par-là. Ses lèvres noires contrastent avec le reste de son visage, blanc comme la mort. Elle s'est penchée vers moi et m'a souri, me révélant ses dents jaunes et noircies. Je me suis réveillé en sueur. J'ai tenté d'en parler à mes parents, mon entourage. Ils m'ont tous dit que ce n'était que des rêves. Ma sœur m'a même dit qu'elle aussi avait fait des rêves comme ça, et que tout irait bien. Peu rassuré, j'avais entrepris d'écrire ça sur un journal. Un truc de gonzesse, mais finalement, ça fait du bien de pouvoir écrire. J'ai vraiment peur. Si elle était si près de moi durant ce dernier rêve, que se passerait-il cette nuit? La sixième nuit, je l'ai attendue celle-là. Le rêve final, enfin, comme je l'appelais. J'ai revu ce couloir, toujours le même. Mais il était vide. J'ai attendu, mais il n'y eut aucun changement. Rien, nada. Au réveil, je me suis senti libéré d'un immense fardeau. C'est en regardant par l'entrebâillement de ma porte que ma joie s'est effondrée. J'ai enfin pris conscience que ce couloir, je le connaissais. Puisqu'il s'agissait de celui qui partait de ma chambre pour rejoindre le salon. Et je me suis effondré lorsque j'ai reconnu, au fond, celle que j'ai surnommée la Veuve Noire.